Bonjour monsieur. Bonjour. Donc vous êtes l'ami du propriétaire de la maison, Oui. si j'ai bien compris, qui a voulu garder l'anonymat. La maison, en fait, vous connaissez un petit peu ce qui s'est passé dedans, l'historique. Un petit peu, euh... pas tout, mais un petit peu. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'historique de la maison déjà? Bon, déjà, la maison elle est du 19e. La date, je ne me rappelle plus trop, mais je crois que c'est 1849. Je crois bien. Et après, bon, il y a eu toujours quelques petites, il y a beaucoup de vols, toujours, là on s'en rappelle. Ah bon? Alors, oui. Comment ça, des vols Des vols, des plaques de cheminée, tout, voilà quoi. Ah. Oui. Mais en fait, vous êtes sûr que c'est des vols ou... Non, mais c'est des vols. Enfin, on suppose quoi, quand elle est arrivée, il n'y avait plus rien quoi. Au départ, ça a été, à la fin, ça n'y était plus. D'accord, les entrées étaient fermées? Mais non, une seule est ouverte. D'accord. Voilà. Et donc en fait donc la maison est assez ancienne et vous me disiez tout à l'heure que vous avez fait des travaux. Oui. Avec votre ami. Et alors qu'est-ce que... Eh bien, dedans déjà on va tout restaurer. Enfin, ils vont restaurer toute cette maison là, mais bon, un soir on se faisait un petit barbecue là, entre amis, quoi, en fait tous les gars qui avaient travaillé un petit peu là, à l'extérieur là, et puis tout d'un coup vers 21h, 22h là, on entendait un bruit bizarre quoi. Bon, enfin, on continuait quand même à manger parce qu'elle était un peu gay. Et puis après, on a entendu comme une gamine, quoi, qui se foutait à pleurer, enfin, on ne comprenait pas. Ah d'accord, puis... donc c'était des familles avec des enfants? Non, on n'avait pas de gosses, il n'y avait que des hommes là, on était quatre et puis c'est tout. Ah d'accord. Et après, on est parti voir l'intérieur, on n'a rien vu, on a entendu des cris et puis rien. Et après, on s'est remis à finir la soirée, quoi, là. Et c'était autour, après 23h, 24h, on a entendu le même cinéma, le même truc. Le même cri et tout ça, et puis après, on a recherché, et puis après, on a tout refermé, on avait la trouille, quoi plutôt, comme il faisait grande nuit, et puis voilà, quoi. Ouais. On s'éclairait avec les phares, en plus, les phares de voiture, alors... Oui, c'est pas facile. Non. Et le propriétaire, dans sa maison, il sent bien, ou... Ben, c'est-à-dire, il a acheté tout l'ensemble, tout ici autour, et bon, il veut essayer de se la restaurer, mais... Lui ça va, mais sa copine elle est un peu juste quoi avec. Pourquoi? Un peu la trouille quoi. Ah quand, bon ben ouais, parce que quand lui il a expliqué ça, qu'il y avait des bruits un peu bizarres, voilà quoi. Alors elle espère, plus tard on sait pas quoi. Donc c'est tout ce qui s'est passé dans cette maison? Non, bon, il y a eu d'autres trucs qui nous a fait un peu peur aussi. Je sais que le propriétaire il est venu la veille, là il avait laissé les outils là, tout propre, impeccable à côté d'une porte, là il est revenu, là le lendemain matin il n'y avait plus rien. On s'est passé depuis 5 ou 6 heures de temps, quoi, c'est parti. Le soir, on a quitté la maison vers 1h du matin, comme ça, c'était. Et puis le lendemain matin, à 9h, il n'y avait plus rien. Où c'est passé, on ne sait pas, quoi. C'est bizarre. Ou alors, il y avait quelqu'un ici autour qui nous surveillait, on ne sait pas. D'accord. Oui, donc, des objets disparus. Voilà. Ok. Donc, c'est tout ce qui s'est passé dans la maison? Oui, dans la maison, oui, à peu près. Quand nous, on était là, toujours. Maintenant, avant. Oui, bon, c'est déjà pas mal. Oui. Ok. Bon, mais nous, on va attendre que la nuit la nuit arrive. Arrive, justement, pour aller faire un tour dans la maison. Eh bien, je vous laisse tout entrer, puis allez, vous vous débrouillez. D'accord. Mais okay. Merci beaucoup. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Alors bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? S'il y a quelqu'un, il y a le petit appareil, la petite lumière rouge là devant nous. Vous pouvez communiquer avec nous à travers cet appareil, donc n'hésitez pas. Quel est votre nom? On veut juste communiquer avec vous. N'hésitez pas. Savoir ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'était votre maison? Vous êtes mort ici?
vous a dit qu'il y avait une petite fille ici. Tu es là? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Le fait qu'il y ait des travaux, que le propriétaire est en train de rénover la maison, ça vous gêne? C'est pour ça que vous avez caché ces outils? Les plaques des cheminées. Le fait qu'on ait cassé les murs, ça vous a rendu en colère? Si on est là, c'est qu'on nous a demandé de venir pour communiquer avec vous. N'hésitez pas. L'appareil posé devant nous, vous pouvez parler. Vous pouvez nous parler. Donc si vous avez un message à faire passer au propriétaire, quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est le moment. Alors qu'est-ce qu'un PVE? Un PVE est un phénomène de voix électronique. Des fois, on peut retrouver sur les enregistrements des voix, hein, qu'on appelle des voix désincarnées, qu'on n'entend pas forcément à l'oreille, et qui donc vont se retrouver sur les bandes, et qu'on va découvrir après l'analyse. Nous, on est là juste pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi vous manifestez, et justement pour essayer de voir avec vous comment on peut faire. Venez! Il est là, mais il ne veut pas. Approchez-vous! Dites-nous votre nom! Vous êtes mort à quel âge? Qui est la petite fille qu'on entend crier? Que s'est-il passé? Pourquoi vous restez là? Vous êtes très attaché à cette maison? Faut pas être en colère, vous savez. Le propriétaire, s'il nous a fait venir, c'est qu'il veut. Il veut savoir qui vous êtes, mais il ne veut pas vous chasser. Il veut juste, comme nous, avoir des réponses. Quand vous faites disparaître les outils, par exemple, c'est un jeu ou c'est pour les punir?
on comprend tout à fait que vous vouliez rester paisible dans cette grande maison, éloignée un petit peu de la route, c'est sûr, vous êtes tranquille ici. Mais on n'est pas là pour vous chasser ou pour essayer de vous faire partir, on est là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, si on peut vous aider. Venez communiquer avec nous. Vous êtes là? Venez discuter avec nous. Il y a une zone froide juste derrière moi. Juste là. T'as entendu? Je vais frapper. Compléter un petit peu la série. Bon, apparemment, ils n'ont pas envie de jouer. Non, mais quel bruit t'as pas de faire. On va attendre que ça soit parfaitement calme. Bah là, vous voulez pas venir? Venez discuter avec nous. Par contre, moi, j'ai le dos tout chaud. J'avais froid, j'avais un petit peu froid, mais c'est passé. N'ayez pas peur de nous. On veut vous pas mal. Moi c'est Christophe. Moi c'est Sylvie. Moi c'est Aurélie. Et vous c'est comment? J'ai cru entendre chuchoter. Juste par là. T'as entendu quelque chose? Juste un chuchotement. Venez avec nous. Venez discuter. N'ayez pas peur de vous approcher, on n'est pas méchant. On vient justement pour essayer de vous aider. On vient vous faire comprendre que le propriétaire, même s'il fait des travaux, même s'il rénove la maison, il veut juste comprendre qui vous êtes, il veut pas vous chasser. C'était votre maison? C'est pour ça que vous ne voulez pas la quitter? Il s'est passé quelque chose de grave? Vous pensez qu'on veut vous prendre votre maison? Il y avait combien de personnes dans cette maison? Vous viviez là avec toute votre famille? Vous aviez quel âge? Il y avait bien une petite fille dans cette maison, puisqu'on l'entend crier de temps en temps.
qui était-elle et quel âge elle avait? C'était la petite fille seule. Oui, c'est toute seule, oui. De quoi avez-vous besoin? C'est le moment de nous le dire. Vous voulez qu'on passe un message? Utilisez ce petit appareil là posé devant moi. Parlez dedans, ça va enregistrer votre voix. Même si nous ne l'entendons pas, on va pouvoir vous entendre. Et on va communiquer tout ça au propriétaire. Si vous avez vraiment quelque chose à dire, faites-le maintenant. Et notre présence à nous, elle vous dérange ou pas? Discuter ensemble avec vous, savoir quel est votre problème. Parce que si on peut vous aider, on le fait avec plaisir. Où est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que tout le remue-ménage qu'il y a depuis quelques semaines dans la maison vous dérange aussi? Vous trouvez pas que ça sent le cramé? Non, ça sent les poussières. Ah, c'est peut-être moi. L'appareil que j'ai utilisé était un détecteur de EMF qui sert à détecter les énergies électromagnétiques. Il y a une hypothèse qui dit que les entités sont composées d'énergies électromagnétiques. Et donc avec ce détecteur, on va pouvoir voir s'il y a dans la pièce, avec un petit voyant qui s'allume, un petit bip, justement pour voir s'il y a une présence dans la pièce. Sylvie est dans les mains un petit appareil spécial qui détecte les champs électromagnétiques. Il paraît que vous autres entités, vous êtes composés de champs électromagnétiques. Si vous vous approchez de cet appareil, il y a une petite lumière rouge qui va s'allumer. C'est aussi un moyen de communiquer avec nous, de montrer que vous êtes là. Approchez-vous de l'appareil et faites allumer la petite lumière rouge. Approchez-vous, hein, n'ayez pas peur. Pas vous approcher. C'est pas vrai? Non. Juste derrière là encore. Ouais, ben, je sens qu'on va arrêter la séance de PVE. On va prendre la caméra et on va aller se balader un petit peu de l'autre côté, quitte à refaire une séance de PVE de l'autre côté. Mais ça fait deux ou trois fois que j'entends du bruit juste derrière là. On va aller voir un petit peu si elles sont pas dans notre pièce. Parce que là vraiment, ça fait deux ou trois fois que j'entends juste là. Ok. C'est par ici là, que j'ai entendu.
c'est plutôt de l'autre côté. Il faut repartir de l'autre côté, les filles. Non, ça. Dans la pièce derrière. Ouais, voilà. C'est parce que c'est dans la pièce là-bas. Là. Ouais, voilà. Vas-y. Faites attention, il y a plein de détritus par terre. Le détecteur de MF, il dit quoi? Zéro toujours? Toujours. Tiens, approche-toi du compteur un petit peu. Normalement, il n'y a pas d'électricité. Histoire d'être sûr. Non, il n'y a rien du tout. Bon, ben là, deuxième séance de PVE. On est dans la seconde pièce, hein, où on a entendu du bruit. Vous êtes là? Faites-nous signe. On vous a entendu tout à l'heure. Quand on était à côté, vous étiez dans cette pièce. Je vais vous proposer quelque chose, on fait la méthode gentille pour l'instant, je crois qu'on va essayer un petit peu de les provoquer. Ouais, peut-être que comme ça ils se montreront. Bon alors, c'est quoi? C'est que t'as peur? T'es timide ou quoi? Allez, approche! On sait que t'es là, de toute façon, on a entendu tout à l'heure. Et vous avez entendu là comme moi? Oui. Là, c'était juste là. Peut-être en haut. Pourquoi tu te caches? Allez, ta fiole, viens là! T'as peur de nous? Je croyais que c'était chez toi ici, viens nous chasser! L'appareil, là, posé devant nous, tu peux communiquer avec nous. Allez, un peu de courage, là. On ne veut pas de mal, en plus. J'ai cru entendre comme une voix, non? On marchait. Bon, t'as entendu, mais viens avec nous maintenant. Bon, tata, on est venu jusqu'ici, jusque chez toi, pour communiquer avec toi, ou avec vous si vous êtes plusieurs. Donc maintenant qu'on est là, ben venez. En tout cas, après, on va s'en aller et vous aurez perdu une bonne occasion.
Ça sera peut-être le seul moyen que vous avez de communiquer avec quelqu'un depuis je sais pas combien d'années. Profitez-en. Mais on veut pas vous chasser ni quoi que ce soit. On veut juste savoir ce qui s'est passé. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez nous le dire. Et arrêtez de jouer à cache-cache là. Venez là. Entendre tous ces bruits là dans le noir, c'était ouais, intéressant, c'était la première fois. En plus, à savoir ce qui s'est passé dans la maison, c'était angoissant mais excitant à la fois. J'espère qu'ils me réinviteront. Approchez-vous du petit appareil là et parlez dedans, on vous entendra. Bordel! Où que vous soyez, vous pouvez parler, on vous entendra. C'est quoi? C'est que vous avez peur de vous approcher de nous? Montrez-vous. Approchez-vous de nous. On saura que vous êtes là. Allez, n'ayez pas peur. Nous, on n'a pas peur de vous, donc n'ayez pas peur de nous. Venez, communiquez. Allez, venez discuter avec nous. Quel est votre nom? Ne serait-ce que ça, quel âge avez-vous? Est-ce que vous êtes mort ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est votre maison? Pourquoi est-ce que vous êtes en colère contre le propriétaire? Pourquoi? Parce qu'il fait des travaux? Est-ce que le fait qu'on rénove la maison, ça vous gêne? Théorie. Souvent, lorsque les gens rénovent leur maison, ça plaît pas aux entités, justement parce que ça change l'environnement dans lequel ils ont l'habitude d'être. Et souvent, il y a des regains comme ça d'activité lorsque les gens rénovent leur maison, parce qu'on dérange justement les esprits. Là, je pense que c'est le cas. Ils ont cassé tout le plafond, ils ont cassé des murs, ils ont. Ils sont en train de refaire les planches. Il y a déjà pas mal de travaux, ça fait déjà plusieurs semaines. Et justement, d'après le propriétaire, les activités, les premières choses un petit peu, le fait qu'ils aient entendu cet enfant pleurer, c'est au moment où ils ont commencé justement les travaux. Et pour fêter un petit peu le début des travaux, ils ont donc fait une fête là, juste devant, un petit barbecue. Et c'est en faisant barbecue, ils ont entendu à l'intérieur de la maison une petite fille en train de pleurer. Mais le problème, c'est que c'était pas des familles, c'était des papas, qui étaient là entre copains. Il n'y avait pas d'enfants. Donc c'est pour ça que ça leur a semblé un petit peu bizarre. Donc c'est pour ça que le propriétaire nous a demandé justement de venir et d'enquêter pour savoir un petit peu ce qui se passe. Parce que quand tu as une maison comme ça et que tu entends des pleurs d'enfants, ça peut surprendre. Oui. Ils nous ont dit qu'ils sont venus voir dedans, mais ils ont trouvé personne. Oui. Alors que tout le monde avait entendu la voix de la... C'est toi qu'on a entendu pleurer? Quel âge as-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Bon, ben, on va arrêter là. Hein. Bah écoutez, si vous voulez pas venir nous parler, on peut pas en faire... Faites un bruit! Faites claquer quelque chose! Concentrez-vous, toute votre énergie, faites claquer quelque chose! Prouvez-nous que vous êtes là! C'est tout ce que le propriétaire veut savoir, si vous êtes vraiment là! Même si vous voulez pas nous parler, faites-nous savoir que vous êtes là. Faites des signes. C'est vous qui avez vidé la lumière, la caméra? Oui, parce qu'il y a le spot infrarouge là, qui est complètement vide. Ça fait au bout de 10 minutes complètement vide. Normalement, ça tient une heure et demie. Quoi. Qu'on a chargé. Il est chargé avant de partir, donc il était plein et là, en même pas 10 minutes, il s'est vidé. Et il y a cette théorie qui dit que justement... Il y a eu un bip. Hein. Des fois, quand ça approche trop près, non. Puis là, il n'y a pas du tout d'électricité, donc... Ben oui. Ah, c'est peut-être que t'as ta lumière. Allez-y, venez nous rejoindre. Il y a quelqu'un avec nous? Bon, ben, nous, on va s'en aller, hein. Voilà, puisque personne ne veut venir nous parler. On est là depuis tout à l'heure, on attend un signe. Un bruit. Allez, on peut y aller. Bon, ben, tant pis. Vous avez manqué une occasion de vous expliquer. Il y a des outils qui ont disparu, c'est vous? Allez, on y va. Bon. D'un côté, j'ai envie de faire quelque chose. D'un autre côté, je me dis que ça serait dommage parce que je le réécouterais bien. Et pendant qu'on va fumer une clope, là, ouais. Je l'aurais bien laissé. Là. Ah, ouais. Ouais, tu devrais. Eh bien donc, nous voici dans la partie analyse hein, de cette vidéo. J'espère déjà qu'elle vous aura plu. Nous, en tout cas... On s'est vraiment bien amusé, hein, c'était très intéressant, beaucoup d'expériences personnelles et aussi quelques résultats comme on va le voir maintenant. Les résultats, c'est surtout dans l'essentiel deux PVE. Le premier, durant la première séance de PVE, après une question de Sylvie, on a un PVE très très faible, il faut vraiment tendre l'oreille. Et on a un second PVE lorsque l'on a eu la très très bonne idée de laisser l'enregistreur sur une chaise lorsqu'on est sorti dehors pour fumer une petite cigarette à la fin de la seconde séance de PVE. Ben écoutez, on va attaquer tout de suite. Je vais vous montrer le premier PVE qui se trouve ici. Donc là ici vous avez la question... posé par Sylvie, et le PVE se trouve ici, juste après ce petit pic. Hein, je vais d'abord vous le faire écouter une première fois. Vous faites disparaître les outils, par exemple.
C'est un jeu ou c'est pour les punir? Vous voyez, la réponse ne vient pas tout de suite. Elle arrive ici. Alors vous avez entendu, c'est vraiment très très faible. On perçoit bien tout de même la tape sur l'enregistreur. Alors là, je vais vous faire montrer tout de suite la vidéo en fait qui correspond à ce moment. Donc là. Quand vous faites disparaître les outils, par exemple, c'est un jeu ou c'est pour les punir? Voilà, on entend bien qu'il n'y a pas du tout de claque sur l'enregistrement. Et par contre, on a hein, ce tape là sur l'enregistreur. Alors, je vais isoler et je vais vous le faire écouter. Voilà. Et maintenant, je vais amplifier un petit peu le son. Je vais éliminer le tap, que le PVE soit plus audible. Alors voilà, hein, le premier PVE, donc c'est à mon avis un catégorie C, hein, on entend juste son arrière-fond et encore lorsque l'on augmente le son, là on perçoit tout de même quelque chose, mais c'est vraiment très très faible. Et donc voici le deuxième PVE hein, que nous avons capté durant l'enquête. Comme on dit toujours, on garde le meilleur pour la fin. Alors pour rappel, il a été capté lorsque nous avons laissé l'enregistreur numérique posé sur une chaise. Nous avons eu la bonne idée de le faire. Lorsque nous sommes allés fumer une petite cigarette à l'extérieur, vous allez voir durant l'extrait, peut-être pas au son, enfin à puissance normale, mais lorsqu'on va amplifier le son, vous entendrez ici nos voix étouffées à l'extérieur, hein, on est juste devant la maison en train de fumer une cigarette, et par ici, vous avez le fameux PVE qui est à mon sens très très clair. Je vais d'abord vous faire écouter à vitesse normale. Alors là, vous l'avez bien entendu, là, il est ici. Alors je vais amplifier. Voilà, je vais amplifier, on va le remettre. Alors, vous allez voir, là, on nous entend à l'extérieur. Et là, on l'entend vraiment très très bien. Donc je vais le mettre en boucle. Alors là, je rappelle, on est tous les trois à l'extérieur et on a cette voix qui est juste à côté de la caméra. C'est vraiment très très troublant. Si on va même jusqu'à la fin de l'extrait, je vais laisser jusqu'à la fin de l'extrait, il y a... Vous voyez ce bruit aussi, hein, qui suit justement le PVE. On va le mettre en boucle. Alors nous avons deux solutions pour la traduction de ce PVE, hein. On n'est pas d'accord avec Sylvie. Sylvie, elle entend un esprit. Je vais vous le faire écouter encore.
Voilà, elle entend un esprit. Alors que moi, hein, j'entends plutôt venez, je suis prêt. Donc maintenant à vous de vous faire votre propre opinion. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site, hein, et nous dire un petit peu ce que vous entendez de ce PVE. Donc en espérant que la vidéo vous ait plu et en vous souhaitant plein de bonnes choses et à une prochaine. Salut!